Poste angélique que je m'attendais à trouver. Quand on entrera... On va entrer ? Tais-toi donc pour changer. Ils n'ont pas l'air enchantés de nous voir. Ils n'ont aucune raison de l'être. Horde des cieux, vous qui savez qui je suis, ce que je suis, si vous espérez voir le soleil se coucher ce soir, vous... Ressens la brûlure de la lame des cieux. Parfait. Je n'aime pas discuter de toute façon. Dans le néant. Tu as compté l'idée.
Tu seras anéanti. Assez! Ta rage est malvenue, cavalier. J'en doute sincèrement, l'oiseau. Uziel, es-tu venu terminer le travail que ton frère Ker a commencé? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'a fait ou n'a pas fait Ker, et peu m'importe. Alors, tu es ici pour voler les âmes de mes compagnons anges. Crois-tu que je ne reconnaîtrai pas une arme du Seigneur des Abysses? Je ne sers personne d'autre que le Conseil. Je traque les 7 péchés capitaux, du moins ceux qui restent. Mais une autre tâche me consume. La trahison par votre glorieux royaume. Oh oui, contemplez mes œuvres, ô puissant, et riez. Nous avons déjà toutes les peines du monde à nous défendre, et nous n'avons guère les ressources pour trahir un puissant cavalier. Mon destrier, Carnage, a été massacré par des armes angéliques avant que je puisse l'invoquer sur Terre. Je découvrirai pourquoi, et je me vengerai dans le sang. Je t'en donne ma parole. Je ne porte guère les cavaliers dans mon cœur. À cause de vous, l'apocalypse s'abat sur nous et nous... Je n'ai nulle connaissance de quelque conspiration contre vous ou votre mission sur la Terre. Parmi les siens, Uziel est... honorable. Ce n'est pas parce qu'il l'ignore que cela n'a pas eu lieu. Comme tu peux le voir, j'ai moi-même bien des ennuis. Peut-être pourrions-nous conclure un marché, cavalier. Dernièrement, c'est un vrai carnage qui s'est abattu sur mes forces. Les miens sont chaque jour plus nombreux à périr. À mon désarroi, j'ai appris que mes frères sont assassinés par l'incarnation de nos pires cauchemars. Des abominations, des anges morts vivants. Il s'en prend aussi aux démons, qu'il emporte également dans le royaume des morts vivants. Et qui, à ton humble avis, en est le responsable? La seule force dans l'univers capable de commettre un tel acte hérétique est la luxure. La luxure? Tu es fou. Mon chemin a déjà croisé celui de la luxure. Il n'a pas un tel pouvoir. Et qu'est-ce qui te fait croire que le monde tel que tu l'as connu est toujours le même monde? On raconte qu'un démon sans nom aurait conféré à la luxure le pouvoir même d'affronter les forces des cieux et de l'enfer. Un accord qui précipitera la fin de l'apocalypse. La luxure transforme anges et démons en morts vivants. Des êtres sans âme, qui se vouent uniquement à la violence et à la destruction. Donc, si j'élimine la luxure, ce qui mettra un terme à tes ennuis, à ton tour, tu me rendras un service. C'est cela l'accord que tu me proposes? En effet, si c'est en mon pouvoir. Et pour te prouver que nous n'avons aucun ressentiment à ton égard, cavalier. Puisse cette lame croix te servir dans ta croisade contre la luxure. Si nous n'arrêtons pas les 7 péchés capitaux, leur emprise grandissante causera notre perte. Découvre qui a essayé de me tuer. En échange, j'obligerai la luxure à révéler la source de son pouvoir, avant de l'anéantir. Nous avons un pacte. Si je découvre que tu m'as menti d'une manière ou d'une autre, tu souhaiteras que ce soit un de mes frères qui t'arrache le cœur. Peut-être que vos menaces l'inciteront à rester dans le droit chemin. J'en doute. Tu lui ferais confiance, toi? Je n'ai pas à le faire. En plus, le mot « confiance » ne fait pas partie du vocabulaire d'une guetteuse. Et encore moins du mien. Cela va sans dire. Ah, insupportable fantôme.